Bitcoin, c'est quoi ? Bitcoin est la première monnaie électronique décentralisée. Les bitcoins sont des unités monétaires virtuelles que vous pouvez échanger sur Internet. Comparé à d'autres modes de paiement, Bitcoin a plusieurs avantages. Les bitcoins se transmettent de particulier à particulier à travers le réseau, sans passer par les banques. Les frais sont donc beaucoup plus bas. Vous pouvez les utiliser dans tous les pays. Personne ne peut geler votre compte. Et il n'y a pas de conditions ou de limites arbitraires. Voyons un peu comment ça fonctionne. Les bitcoins sont générés à travers le réseau par n'importe quelle personne faisant tourner un logiciel appelé un mineur de bitcoin. Créer des bitcoins requiert du travail pour chaque bloc de transaction. La difficulté de ce travail est automatiquement ajustée par le réseau afin que les bitcoins soient toujours générés à un rythme prédictible et limité. Les bitcoins sont stockés dans un porte-monnaie électronique, ce qui vous est sûrement familier si vous utilisez une banque en ligne. Quand vous transférez des bitcoins, une signature électronique est ajoutée. En quelques minutes, la transaction est vérifiée par un mineur, puis stockée de façon anonyme et permanente sur le réseau. Bitcoin est un logiciel libre, et n'importe qui peut inspecter son code source. Bitcoin est à la banque ce que l'email est à la poste. Il change le monde de la finance de la même façon que le web révolutionne les médias. Que peut-on faire avec ces bitcoins ? De nombreux commerçants utilisent déjà Bitcoin. On peut acheter des cadeaux, des livres, des serveurs et des chaussettes en alpaga. Plusieurs plateformes d'échange permettent d'échanger vos bitcoins contre des euros ou d'autres monnaies. Les bitcoins sont un excellent moyen pour les petites entreprises et les entrepreneurs de se faire remarquer. Il n'y a ni frais initiaux, ni frais de conversion. L'économie du bitcoin permet à des entrepreneurs de développer leur activité. Pour en savoir plus sur Bitcoin, rendez-vous sur bitcoin.fr.